Madame, Oui. qu'est-ce que je peux vous servir comme dessert? Ah, Francis. Ben, un café pour moi, ça va. Ça va. Mais je tenais, maman, à féliciter votre cordon bleu. Ah. Je trouve qu'il a du goût. Et je me dis que c'est pas exclu qu'un jour il se retrouve à la présidence de la République. Sait-on jamais? Merci, monsieur. La même chose pour moi. Yaba. Moi, je ne suis pas dans ces conneries-là. Alors, Francis, Oui, maman. si je tenais à ce qu'on se rencontre ce soir, c'est pour te présenter à mes filles. Safia, c'est elle l'aînée. Yaba, c'est elle la cadette. D'accord. Francis, l'enfant du président qu'on ne présente plus. Safia, Francis, Francis, Safia. Enchanté. Enchantée, Francis. Alors, j'avais déjà parlé de cette rencontre au président pour que vous fassiez de plus ample connaissance. Et pourquoi pas aboutir à quelque chose de solide. Tel est le souhait de tous parents, vous voyez. Je suis flatté et je tiens de tout cœur à vous dire merci. C'est une marque de sympathie, de considération. C'est vrai que j'ai un calendrier très chargé parce que vous savez, je suis plus à l'extérieur qu'au pays. J'ai dégagé un petit temps pour quand même faire plaisir à papa. Et je me dis, avec votre permission, je serai ravi que Safia m'accompagne. J'ai un jet privé qui est là. Et au besoin même, je peux lui trouver un passeport diplomatique. Pourquoi pas? Parce que j'ai même un voyage en vue pour New York. Oh, Ouais. New York. Yes. J'ai toujours rêvé m'y rendre. Ben voilà. Tu vois, Safia, elle a beaucoup étudié en Europe, c'est vrai. Mais les États-Unis, elle ne connaît pas là-bas d'abord. Oh, ben, les États-Unis, c'est la porte d'à côté pour nous. Ouais. États-Unis, je viens avec vous. Yaba. Merci. Aziz, tu es beau, hein? Tu es beau. Ben, merci. En plus d'être intelligent, tu es très beau. Merci. Moi-même, j'ai toujours rêvé. Hé, Yaba. Ben, maman, une fois de plus, je vous réitère mes remerciements pour l'invitation. Et j'ai un rendez-vous auquel je dois honorer. Et je vais donc demander Ah bon? à repartir Ok. Alors. Tout en espérant que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. d'être venu. Tu es chez toi. Tu serais toujours la bienvenue dans ma famille. D'accord. Safia, tu peux le raccompagner? Bien sûr, maman. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, jeune commissaire. Assis-toi. Que nouveau ce matin votre visite? Alors, monsieur le commissaire, passer de zéro à héros, c'est bien. Mais passer de héros à zéro? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne trouvez pas? Alors, je ne suis pas venu pour ça. Juste une remarque. J'ai rencontré un de vos éléments dans un endroit huppé de la cité. Un de vos éléments, notamment celui qui est assis là. Un endroit où il ne devrait pas être. Ah bon? Parce que c'est un endroit où toutes les autorités de ce pays, les sommités, les premiers responsables, y vont pour discuter paisiblement et échanger sur certains sujets. Alors, je vois mal des gens comme vous autres là, allez là-bas. Mais regardez comment vous êtes habillés. Une question, mon commissaire. Avait-il payé
Où a-t-il mangé à crédit? Naba, je suis là, je dis que je suis bon. Ensemble. Alors, même si vous avez de l'argent, vous avez les marchés et y'a. Il y a aussi les abords de voies, ils peuvent aller manger le mouiboro là-bas. Mais il ne peut pas aller à ces restaurants-là. Bon, jeune commissaire, si ce n'est pas dans une république bananière, si c'est dans un état de droit, vos propos sont malvenus. Et je vous prie de modérer votre remarque. Moi, je suis très ferme. J'attends justement qu'une autorisation vienne en haut. Et vous allez me retrouver, mes éléments et moi, sur votre chemin. Ah bon? Non, il n'y a pas de temps pour votre nouveau. Écoute, mon jeune frère, calmez-vous. Mon jeune frère commissaire, eh bien, merci pour la leçon et surtout pour la bonne visite. Ok. En tout cas, je n'ai pas autre chose à ajouter. Je ne voudrais pas, en aucun cas et en aucune manière, rencontrer ces individus-là mal habillés, débraillés, dans des endroits huppés de cette ville-là. Moi, j'en ai fini. Et bonne journée. Hey. Y'a même madame de l'ouvrir. Fallait nous donner l'ordre va de gonfler le ventre de ce soi-disant commissaire. Oui. Il se prend pour qui? Nous sommes aussi des honnêtes citoyens là. Calmez-vous. Je vous ai dit, Breva compris, c'est de la provocation. Vous voulez tomber dans leur piège? Calmez-vous. Quand même. Ça se fait pas. Oh, Sadia. Viaba. Tu l'as raccompagné jusqu'à sa voiture? Bien sûr. Tu l'as embrassé? Je? C'est quelle question ça là? Donc tu l'aimes? Safia, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Au lieu de rester avec ton gringalé, ton ver de terre là. Parce que j'ai vu Francis à la télé. J'ai commencé à l'aimer. Toi aussi tu viens, tu tombes dedans. Hypocrite. Voilà. Si t'es pour y a problème, t'es bon, j'en t'en ai comme un. T'es un champon, t'en ai comme un. T'es bon, j'en t'en ai comme un. La vie vous en mette pas dans le combat. La vie vous a j'en mette pas dans le combat. Salam no bede la mette pas dans le combat. Le café monte à mette pas mon chou. L'inde monte à mette pas mon chou. Monsieur le maire n'a mette pas dans le combat. Tant il s'abîme d'un mot de pas dans le combat. Si t'es pour y avoir problème, si t'es pour y avoir problème. Si t'es pour y a problème, t'es bon, j'en t'en ai comme un. T'es un champon, t'en ai comme un. T'es bon, j'en t'en ai comme un. La vie vous en mette pas dans le combat. La vie vous a j'en mette pas dans le combat. Salam no bede la mette pas dans le combat. Le café monte à mette pas mon chou. L'inde monte à mette pas mon chou. Monsieur le maire n'a mette pas dans le combat. Tante Sabine n'a mette pas dans le combat. C'est pour lui un problème. Sabine, si
t'es pourri ou un problème. Si t'es pourri, y'a problème. Si t'es pourri, y'a problème. T'es pour toi, t'es un égoïme. T'es un champion, t'es un égoïme. T'es pour toi, t'es un égoïme. Habibou, la moutée, pas un copain. Habibou, la moutée, pas un copain. Salam no bede ram matu bangam ko bambala kafe mon dam te bamunsu linna mon dam te bamunsu ese lo mer dam matu bangam ko bambala tanti sabin dam matu bangam ko bambala si te puri wa problem.